Bonjour, aujourd'hui je vous présente la Icon Maurice Lacroix, le modèle Tide, qui est un modèle fait en bouteille retrouvée dans l'océan, en bouteille recyclée. Il faut 17 bouteilles pour faire cette montée Icon. Alors, Maurice Lacroix, j'ai une vieille histoire avec eux, ils m'avaient prêté il y a quelques années, deux ans et demi, quatre modèles à Icon. J'étais tombé amoureux de la marque. C'était pas aller plus loin dans la collaboration, mais j'ai craqué, je me suis acheté ma première Maurice Lacroix, donc j'ai pris un modèle. Pour le surf, donc la Icon Tide, et forcément j'adore le bleu, donc j'ai pris le modèle bleu. Donc voilà, on peut voir les détails. Donc Icon made of recycled material, Swiss made, avec les références, le modèle Tide. Voilà, donc une montre vraiment de toute beauté qui fait 40 mm de diamètre, qui a un mécanisme quartz Swiss Ronda. Il y avait un autre youtubeur qui l'avait ouverte pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et donc j'ai craqué pour cet été 2023. Donc c'est vrai qu'elle est sortie il y a un an, mais j'ai craqué pour ce modèle Icon Tide. Donc elle n'a rien à envier au modèle acier de la marque. Moi je trouve qu'au niveau de son boîtier, il est vraiment très qualitatif. J'avais vraiment très très peur parce qu'acheter une montre en plastique, soit tu prends une Swatch, soit tu prends une Casio. Mais sinon, ça fait assez flipper. On a vu le résultat de récemment avec la Moonwatch. Et donc là, par contre, je suis bluffé. Le verre est saphir. Le cadran est vraiment mais magnifique avec son motif vague de Jura. Et donc, un bracelet pur caoutchouc. Il n'est pas dans le même matériau que celui-là. Mais apparemment, il y a un bracelet qui va sortir dans le même matériel que le boîtier de la montre. Et Bluecardion signé. Enfin, vraiment, il n'y a rien acheté, c'est vraiment une montre, waouh! 40 mm de bonheur. Je vais la mettre au poignet et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, le seul défaut que je trouverais à cette montre, c'est qu'elle n'est pas faite pour les trop gros poignets. Alors moi, ça, j'ai un poignet de coque, donc ça ne me pose pas de problème. Mais comme on peut voir, c'est vraiment une montre de très très belle facture. Et comme toujours, avec les modèles Maurice Lacroix, notamment les icônes, cornes absentes et une prise mise au poignet, mais vraiment parfaite. Enfin, franchement, c'est la montre. On n'est pas en train de se dire le bracelet, il va mettre 15 jours à se mettre. Non, non, pas. On met la montre, elle est nickel comme si elle avait été faite pour nous. Et vraiment, c'est quelque chose que, à chaque fois, tous les modèles icônes, et donc, comme je vous ai dit, c'est la cinquième que j'ai l'honneur de mettre à mon poignet, à chaque fois, ces montres, elles sont magnifiques. Peu importe le diamètre. Peu importe les complications. Donc là, c'est la plus basique de toutes. Hein. C'est vraiment le modèle quartz. Mais pour mon usage, on va dire que c'est un usage très très waterproof. On va dire que c'est vraiment parfait. Cette montre est destinée pour cet été à l'usage piscine, plage, surf. Donc, je n'ai pas réellement besoin d'une automatique. J'ai suffisamment d'automatiques dans mes collections comme ça. Je ne dis pas que je vais pas céder très prochainement, je pense, à une Maurice Lacroix Icon bronze automatique, je pense. Mais vraiment, c'est. Voilà. Le coup de cœur pour moi de l'été. Il y a plusieurs modèles, plusieurs séries limitées qui existent. Donc n'hésitez pas, que vous aimez le rose. Il y a des roses sur fond blanc, des oranges, des vertes, des jaunes. La jaune est très très belle, j'ai longtemps hésité, mais bon, je préfère vraiment le bleu. Sinon, j'ai failli prendre vert comme mon maillot, mais bon, voilà la grosse hésitation. Et donc, vraiment, je vous incite, si vous avez le budget, à céder pour cette montre. Certes, qui n'est pas donnée, parce qu'elle tourne quand même à 800 euros, mais il faut pas se dire, c'est une montre, voilà, elle a une identité, elle a une histoire, elle est faite grâce à Tide. Et il faut se dire que quand on achète cette montre, ça nous permet de nettoyer un peu les fonds sous-marins, les bouteilles en plastique, tout ça, car elle est faite avec ces matériaux-là. Donc franchement, je vous conseille fortement la Maurice Lacroix Icon Tide. Et voilà, vous la verrez sur la plage cet été avec moi. Bientôt!